Ouais, c'est ce que YouTube en fin de compte nous pousse à faire. C'est ce genre de vidéo. Je clash YouTube. YouTube, regarde-moi dans les yeux. J'ai charbonné ma vidéo d'avant là. J'ai bossé, tu vois, pour la faire. Hein? Il y a pire comme boulot. Je suis d'accord avec toi, il y a bien pire comme boulot. Attends, ça tremble là, la caméra. Oui, il y a pire. Mais j'ai quand même bossé. Tout autant que d'autres YouTubeurs bossent leurs vidéos. Sauf que peut-être 90% des notifs n'ont pas été envoyés. Je me retrouve avec une vidéo que j'ai bossée parce que je devais sortir, je devais faire des choses. J'ai fait ma vidéo. Je l'ai postée sur YouTube. C'est la review de l'épisode de Captain Tsubasa. C'est-à-dire, voilà, j'ai quand même vu l'épisode, pris en screen tous les trucs que je voulais mettre dans la vidéo, fait la review, fait le montage, collé tous les trucs, posté la vidéo, fait une miniature. Tu vois, j'ai même joué un truc racoleur. Tu vois, j'ai joué le jeu au maximum. Vidéo démonétisée, mais ça, sincèrement, je m'en fiche. Une vidéo démonétisée, je m'en fiche. Il n'y a aucun problème. Mais une vidéo qui perd de sa visibilité, ça me dérange. Parce que l'objectif de ma vidéo, c'est de la visibilité. Sinon, je fais pas de vidéo, je fais de la mécanique. Ça n'a aucun rapport. Et le problème, c'est que la vidéo que je vous ai dit que j'ai faite, 3 heures après, je rentre chez moi, je vois, elle est à 5000 vues. Il n'y a même pas 1000 likes, alors qu'en 30 minutes, ça c'est réglé. Les 5000 vues, les 1000... Tu vois, c'est une review de Captain Tsubasa. Si vous détestez ça, ça se serait vu sur les deux premières en majorité. Après, peut-être que vous détestez, vous pouvez me le dire. Riles ne fait plus de review, ça nous saoule. Si tout le monde me dit ça dans la chaîne, à un moment donné, je ne vais pas faire des reviews pour moi. On va faire autre chose. Mais c'est bizarre. Donc YouTube, quand tu fais des maintenances ou des mises à jour ou des trucs ou que tu veux que ma vidéo elle soit naze, quel truc, dis-le-moi, discute, tu me le dis, et voilà. Et ce qui me dérange, c'est que cette vidéo-là que je suis en train de vous faire, en quelques minutes, elle va faire plus de vues que la review. À croire qu'il faudrait que je fasse des vidéos comme ça tous les jours. Aujourd'hui, c'est la vidéo, on se plaint. Demain, c'est la vidéo, on se plaint. Après-demain, voilà, on va clasher les youtubeurs. Après-demain, on va faire le critique YouTube. Après-demain, on va faire le voilà. C'est quand même fou. C'est quand même fou. C'est bizarre, hein. Franchement, moi je ne comprends plus rien. Et je sais que parmi vous, il y a plein de gens qui vont venir me dire un truc très simple. Mais Riles, t'as de la chance, ne crache pas dans la soupe, tu fais des trucs que t'aimes. Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, à un moment donné, je demande juste que le fonctionnement soit celui qu'on m'a promis. Notification, elles servent à quoi si elles ne sont pas envoyées? Si je fais une vidéo que 90% des gens sur ma chaîne ne voient pas, bah franchement, je préfère faire des vidéos rapides que je travaille pas. Ah, moi, je vais aimer tout autant, hein, parce que bon, je trouverai le moyen de papoter avec vous, de raconter des trucs que j'ai envie, et voilà, c'est comme ça qu'on va avancer. Non, parce que si vraiment je charbonne des vidéos, et heureusement que c'est pas une vidéo, l'histoire 2 que j'ai bossé pendant une semaine ou un mois, hein, j'ai mal au bras là. Imaginez vraiment que ce soit une vidéo que j'ai charbonnée pendant des mois. Je pèterai un câble. Franchement, ah, je me demande s'il y a des youtubeurs qui ont connu ça. Parce que dans ma vidéo, j'ai marqué polémique, nanana, de Captain Tsubasa, avant même qu'elle soit mise en ligne. Déjà, boum, monétisation bloquée. Quand une monétisation d'une vidéo, elle est bloquée, très souvent, sa visibilité, elle en prend un coup aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah maintenant, à chaque fois qu'on m'escroque, YouTube, qu'on me fait des trucs comme ça, je vous fais une vidéo clash YouTube. Et là, je vais mettre un gros titre racoleur. Voilà. Et les gens vont pas être contents. Mais c'est même. Cette vidéo-là va même pas toucher 5 euros. Hein. N'ayez pas peur. Si je pouvais la démonétiser, je la démonétiserais. Mais bon, les vues, elles vont. Ça va jouer sur les vues. Donc voilà. Et au passage, si vous voulez voir ma review de l'épisode de Captain Tsubasa numéro 3, bah elle est juste avant. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Parce que je bosse pas toute une après-midi pour ça, je suis désolé. Et à toutes les personnes qui disaient, ben, tu craches dans la soupe, pouh, je crache dans la soupe, voilà, il est où le problème? Je demande juste le fonctionnement qu'on m'a promis. Sinon, c'est fatigant. Et moi, je vous ai dit, hein, je suis un forceur. Si il faut que je fasse une semaine de vidéo Fortnite pour dire à YouTube, ben, ok, j'aurai mes vues, et ben, je les aurai. Ouais, tu fais ça pour les vues? D'accord, ok, y a pas de problème. Voilà, pas de montage, rien. Vidéo comme ça, et si c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, bisous tout le monde, mets la paix sur vous quand même, prenez tous soin de vous.